L'habillage, c'est un blog beauté qui a presque 7 ans déjà, qui est un blog beauté féminine essentiellement. Je suis désolée, c'est très sexiste pour le coup. En gros, ça raconte mon parcours cosmétique, donc quels produits je teste, comment je décrypte les tendances, des choses comme ça. Donc il y a 7 ans, j'avais la peau acnéique, donc c'était mon parcours pour arriver à ne plus avoir de boutons. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai la peau qui a changé, donc c'est d'autres problématiques. Et puis j'aime beaucoup le maquillage, donc j'en parle aussi. Et le but, c'est surtout que les lectrices se sentent comme à la maison, comme dans une soirée pyjama. Ouais, vraiment, vraiment bien, et qu'elles posent toutes leurs questions et qu'elles fassent part de leur avis sans langue de bois. C'est surtout ça qui est important. Le matin, qu'est-ce que je fais? Non, c'est assez difficile parce que là on est le matin, je suis pas encore réveillée à 10h, c'est difficile. Non, le matin, bah, je me lave le visage, c'est le premier truc que je fais avec ce produit qui est un gel nettoyant doux de chez Rennes, bah, d'ailleurs que j'ai eu via Oh My Cream. Et en fait c'est assez drôle parce que je connaissais pas du tout cette marque, enfin j'en avais beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais essayé en me disant ouais c'est un effet de mode, voilà, je reste sur mes choses assez traditionnelles et classiques. Et c'est une catastrophe parce que depuis que j'ai essayé ce nettoyant, je peux plus m'en passer et je sens que je vais devoir en commander des stocks et des stocks. Parce qu'en fait, c'est hyper doux pour la peau sensible, moi j'ai la peau qui rougit facilement, donc c'est assez chiant. Et ça, bah en fait, j'en mets un petit, une pression sur les mains, je frotte un peu, j'émulsionne. Ensuite sur le visage, tranquillement. La texture est gel, toute douce, elle fond sur la peau, alors ça me réveille un petit peu. Et puis ensuite je rince à l'eau, donc au moins je suis sûre d'être bien propre pour la journée. Mm-hmm. Et j'utilise le soir également. Et puis après c'est parti pour une bonne dose d'hydratation avec, je le cherche, mon sérum. J'ai oublié, là, pardon. Avec le double sérum de Clarins. Mm-hmm. En fait j'ai deux sérums préférés, j'alterne toute l'année, ou de temps en temps j'en teste un nouveau, mais c'est vraiment mes deux chouchous, c'est le double sérum de Clarins, mmh, ou l'élixir d'eau de Paillot, parce qu'en fait j'ai la peau desséchée, donc je suis obligée d'apporter une bonne dose d'hydratation via un sérum. Et ensuite pour empêcher l'eau de s'échapper et pour protéger encore plus la peau, et ben, je passe à la cold cream. Alors je viens de finir celle-ci qui est la cold cream visage de Velleda. Voilà, très beau packaging qui s'abîme un peu, mais et qui sent très fort les huiles essentielles, il faut aimer, mais bah moi ça a bien marché cet hiver. Et là je suis passée à la cold cream condition extrême de Paillot, qui est en fait un produit qui sent moins fort, donc qui est peut-être plus recommandable pour celles qui n'ont pas envie d'avoir 1000 produits qui sentent sur le visage, et qui est pas trop poisseux, qui est assez agréable et qui n'a pas besoin de poser 50 000 ans avant de pouvoir se maquiller, ça c'est assez important. Voilà, c'est tout. Et après, je me maquille. Mais le matin, j'ai pas envie de... Enfin, je suis pressée, il faut que je travaille, j'ai mille choses à faire. J'ai juste pas envie d'être le cliché de la blogueuse beauté, en fait, le matin. Je préfère faire ça le soir, quand mon mec regarde la télé, quand mon chat n'est pas là. Voilà, c'est un truc assez égoïste, le rituel beauté. Et puis, plus ou moins toute la journée, en fait, j'ai toujours de l'eau thermale sur moi, à veine. J'ai été élevée avec du Avène, donc c'est vraiment le côté Madeleine de Proust. En fait, je me rince rarement le visage avec de l'eau du robinet. C'est un truc que j'ai rapidement intégré dans ma routine. Et depuis, j'ai la peau qui tiraille moins, j'ai moins de rougeur. C'est assez dingue. Et surtout, avant, j'avais de gros problèmes d'eczéma sur les bras, par exemple. J'ai fait une cure rapide, hein, chez Avène. Et depuis que je me rince notamment les bras avec de l'eau thermale, je n'ai plus de démangeaisons, plus de rougeur. Mmh. Donc tout de suite, ça donne envie de ne plus se laver à l'eau, ce n'est pas possible. Donc au moins sur le visage et sur les zones sensibles, de l'eau thermale. Voilà. Et donc le soir, quand tu prends ton temps, raconte-nous. Le soir, bon bah forcément, je commence par me démaquiller. Mmh. En termes de démaquillant, je suis assez infidèle. J'adore tester tous les démaquillants de la terre parce que c'est le produit facile. Les filles sur mon blog cherchent toujours un super démaquillant qui fait tout à la fois, limite qui vous fait un brushing en même temps, mais ça c'est pas possible. Mais j'ai quand même deux inconditionnels auxquels je reviens, vers lesquels je reviens tout le temps. Le premier, c'est l'eau micellaire démaquillante de Caudalie, parce qu'elle est très fraîche
Et en fait, paradoxalement, elle me réveille la peau alors que je suis censée aller me coucher. Mais je trouve que elle accompagne bien le rituel. Enfin, elle commence bien le rituel où tout de suite, ça y est, j'entre dans un univers pur, frais. J'aime beaucoup. Et puis de toute façon, l'odeur Caudalie, elle est totalement addictive. Et puis dans un registre un peu moins odorant, il y a la lotion micellaire démaquillante d'Aven, qui est une valeur sûre, que j'achète en énorme format à chaque fois, parce que de toute façon on en consomme tout le temps. Et puis moi, comme je suis une blogueuse beauté, je passe mon temps à me maquiller et à me démaquiller certaines journées pour faire des tutos sur mon blog. Donc voilà, j'ai besoin de choses qui n'agressent pas ma peau, qui s'utilisent rapidement, qui démaquillent aussi le maquillage waterproof. Donc ça, c'est un peu le démaquillant tout terrain, quoi. C'est la bonne solution. Une fois que j'ai fait ça, je passe à cette petite merveille qui est une huile d'argan Josimaran, qui n'existe pas en France. Mais le jour où Oh My Cream la vendra, franchement, ça sera le plus beau jour de ma vie. En fait, je l'ai acheté à New York quand j'y suis allée fin décembre, début janvier. Et je, voilà, j'aime beaucoup lire des sites étrangers, tout ça, et je voyais que tout le monde en parlait en disant « c'est de la révélation, c'est génial, ça a repulpé ma peau, grâce à ça je n'ai qu'à boire 1,5 litre d'eau et je suis bien dans ma peau ». Et en fait, j'ai craqué et je trouve que c'est magique. Bon, c'est de l'huile d'argan, au final, vous pouvez en trouver chez n'importe qui. Elle existe en version comme celle-ci ou en version light, pour les filles qui n'ont pas envie d'avoir la peau un peu poisseuse. C'est pour ça que j'utilise le soir. Et en fait, c'est vrai qu'elle repulpe vraiment, qu'elle hydrate et qu'elle nourrit. Et moi, j'utilise un peu sur les pointes la nuit avant de faire un shampoing. Vraiment, vraiment bon produit. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est une pipette. Donc ça permet de bien doser. Moi, c'est 2 gouttes et c'est tout. Et on n'en met pas trop. Parce que l'huile d'argan, le problème, c'est que si on en met trop, et bah, ça fait pas les effets escomptés. Donc... petit coup de cœur, vraiment c'est de la bombe ce produit. Et après j'utilise ça, qui est pas glamour du tout, c'est la Ultra Repair Cream, voilà, de First Aid Beauty, donc ça veut un peu tout dire. Quand tu l'ouvres, ça pue. Mais vraiment, vraiment soyons honnêtes, ce produit pue. Voilà, c'est assez épais en plus quand on en prend, enfin ça... ça fait pas très envie, hein. Vraiment ça fait pas très envie, mais ça fond bien sur la peau. Et alors quand on a la peau déshydratée quand même, ou qu'on a de l'eczéma sur certaines zones, ben ça sert à tout. Moi ça me sert sur le visage le soir, comme ça je me réveille le matin, j'ai la peau repulpée, assez fraîche, j'ai le teint frais, lumineux le matin grâce à ça. Et puis j'en mets aussi sur les bras, parfait, parfait, mais c'est... voilà, mais bon, c'est le soir, c'est pas grave, j'ai fait le choix, hein. Soit j'ai une belle peau, soit j'ai une vie de couple épanouie, voilà. Chacun son choix. Non, ça pue vraiment. Et on n'en trouve pas encore en France aujourd'hui dans les magasins, donc c'est plutôt à l'étranger ou sur les sites étrangers. Et pourtant, je vois d'ailleurs au dos, ils écrivent « fragrance free ». Ok, c'est pas vrai, ça sent très mauvais. Donc ça c'est ce que je fais le soir. 2 fois par semaine, je me fais une session cocooning à la maison. Alors après mon rituel du soir donc, et avant l'hydratation, enfin bref, pour resituer. Je gomme. Alors il y en a plein qui disent que gommer c'est pas bien. Enfin qu'il faut y aller en faisant très attention, il faut faire attention au type de grain qu'on choisit. Donc moi je suis team grain très 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 fin. Voilà, je veux pas m'exfolier le visage avec des énormes grains, je suis convaincue que ça abîme. Après peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Et c'est pour ça que le gommage sur fin physiologique de La Roche-Posay est une valeur très sûre. Ça sent bon, en fait ça sent propre. Je déteste cette expression, ça sent propre, mais c'est un peu ça. Il est agréable, bon il est en termes de texture, voilà, on dirait un gel. C'est blanc et puis après ça fond sur la peau. On devine un tout petit peu les grains. Voilà. Moi je le fais pas sur tout le visage parce que j'ai les joues assez sensibles. Donc en général c'est une fois dans la semaine c'est tout le visage et puis l'autre fois c'est la zone T. Voilà. Et après j'alterne 2 masques.
soit le masque détox vitaminé de Nuxe, qui pour le coup me permet d'éliminer un peu mieux toutes les toxines et compagnie. J'aime bien le faire après une soirée notamment. Ou ce masque pareil que j'ai vendu chez Oh My Cream, qui est le Resurfacing Mask, je parle très mal anglais, oui. De Data Harper. En fait, au début, je trouvais ça assez bizarre parce que quand même, c'est une petite contenance, il faut en mettre beaucoup, donc je me disais mais comment ça va se passer? Et puis, il faut quand même que ça pose 20 à 30 minutes. Par rapport à ça, qui doit poser 5 minutes, donc je choisis, hein, j'équilibre. Et au final, ce truc est assez génial parce que ça me permet d'avoir ce côté peau rebondie, éclatante. Donc en général, je fais ça quand j'ai un rendez-vous très très important le lendemain et que je dois avoir l'air au top de ma forme. Ça c'est mon astuce. Et ça, c'est quand j'ai trop fait la fête. Voilà. Et j'ai un dernier truc que j'utilise de manière ponctuelle pour le coup, c'est l'huile d'essentiel d'hydraté. Parce qu'il m'arrive, comme tout le monde, malgré une très bonne routine et malgré une bonne alimentation, d'avoir quelques imperfections. Et au lieu d'utiliser des produits hyper abrasifs sur tout le visage, parce qu'en réalité j'ai la peau sèche et j'ai juste quelques boutons localisés, hop, quelques gouttes sur un coton-tige, en local sur le bouton, avant de mettre tous mes soins et après m'être nettoyer la peau. Et en quelques jours, je n'ai plus de boutons et j'ai pas de cicatrices. Donc c'est naturel, on en trouve partout. Et voilà, magie. Et je vois un outil de torture aussi. Oui, alors non, si tu pouvais t'en aller quand je parle aux gens, s'il te plaît, Doux. Oui. Oui, j'ai un outil de torture, c'est un peu la honte. Mais je le révèle en exclusivité pour Oh My Cream, c'est incroyable. En fait, c'est ça. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on dirait soit un cutter, soit un taser, enfin voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. Il y a un bouton on, il y a un bouton qui permet de gérer, on va dire, les ondes qui passent. Et en fait, je l'utilise avec ça, qui est un produit nettoyant, on va dire, de chez Bliss. Et à quoi ça sert? En fait, ça sert, attention, c'est très glamour, à se nettoyer les pores. Oui. Donc en fait, ça s'utilise dans ce sens-là. Une fois que j'ai utilisé avec mon coton cette lotion, j'allume mon petit appareil, voilà, je ne vais pas le faire là, et c'est des ondes qui vont permettre de un peu faire bouger ce qu'il faut à l'intérieur. J'espère que ça n'abîme pas ma peau. Et donc je passe un peu comme ça, en fait, sur la peau, et ça déloge les points noirs. Voilà. Et ensuite, une fois que je rince bien à l'alcool, parce que c'est important, je peux retourner mon outil de torture et appliquer une crème hydratante comme ça, et ils disent qu'avec les ultrasons, ça permet une meilleure pénétration. Voilà, c'est très conceptuel tout ça, mais moi je m'en sers plutôt pour déloger les points noirs. Alors en général, on dit qu'il faut pas le faire soi-même d'enlever les points noirs, il vaut mieux le faire en institut. Ça au moins, j'ai pas l'impression de me charcuter la peau, j'appuie pas comme une malade, je passe juste deux fois dans chaque sens, et c'est plié, ça enlève ce qu'il faut. Voilà, c'était l'instant l'instant élégance. Et ça, ah oui, et ça, c'est pas vendu en France. Donc si vous l'achetez, il faut aussi acheter l'adaptateur qui va avec, sinon, bah, comme moi, vous allez le regarder pendant des semaines en disant bah je peux pas l'utiliser. Voilà, mais ça marche. Ça marche. Bon à savoir. Oui. Alors côté cheveux, raconte-nous. Côté cheveux, alors il faut savoir une chose, c'est que en vrai mes cheveux ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas soyeux, ils ne sont pas lisses, ils sont comme ça. Et très poreux, très rêches, difficile à maîtriser, enfin bref, c'est... J'ai galéré pendant des années et des années avec mes cheveux, c'est bien que c'était un complexe même. Maintenant, ça fait 4 ans que je fais des lissages brésiliens, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, ça veut dire que j'ai pas les cheveux naturellement comme ça à la base. Et même quand j'ai fini de me sécher les cheveux, sans soins et compagnie, malgré le lissage brésilien, j'ai quand même les cheveux qui gonflent. Voilà. Donc pour optimiser tout ça, forcément, je suis obligée de prendre des bons soins. Avant, j'utilisais un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je fais attention à ce que je mets sur mes cheveux. Ça ne m'empêche pas de mettre du silicone de temps en temps, ou en produit de finition pour avoir un aspect brillant, mais j'évite maintenant le shampoing. Mmh. Voilà. Donc, j'ai oublié mon shampoing, pardon. On peut aller le chercher. En shampoing, bon, je pense que c'est pas une découverte.
surtout pour les personnes qui shoppent ce Homemade Cream, c'est le shampoing crème moelle de bambou de Leonard Grey. Concrètement, limite ce shampoing pourrait suffire à lui-même. Il y a des jours, j'utilise, je fais pas de soin derrière, je me sèche rapidement les cheveux et j'ai les cheveux qui gonflent un peu, mais ils sont jolis, la fibre capillaire est maîtrisée. Bon, surtout mes cheveux sont propres aussi, bon, c'est propre d'un shampoing. Non, vraiment, et puis l'odeur, franchement, pardon, mais il y a un truc très addictif avec le produit Leonard Grey, c'est l'odeur. Et ce shampoing-là, c'est un peu ma madeleine de Proust maintenant. Puis surtout j'admire énormément Caroline Grey, que vous avez déjà interviewée. Et voilà, le problème, c'est qu'une fois qu'on connaît Caroline, on aime encore plus ses produits et on n'a plus envie d'utiliser autre chose. Mais je lui fais quand même certaines infidélités. Comme ça, ce truc-là, ce Hair Repair, de, je sais même pas comment on dit, en Sacha Joanne, enfin un truc comme ça. Je l'ai acheté sur My Cream la semaine dernière. Voilà. Parce que ça avait l'air beau. J'ai benchmarké, je suis allée 50 fois sur le site. Je me suis dit, ok, ça a l'air bien pour mes cheveux secs et abîmés. Et alors, première utilisation cette semaine, et c'est dingue. Concrètement, ça me permet juste d'utiliser mon shampoing, mon après-shampoing, on va dire, qui est un peu plus qu'un après-shampoing. Et c'est tout. Et ça me fait gagner du temps. Voilà, ça sent terriblement bon. Donc je pense que j'ai une nouvelle addiction qui va encore me coûter un peu d'argent, mais c'est pas grave, je le vis bien. Et puis autre chose, en traitement un peu de fond, j'ai envie de dire, bon là elle est en format solide, mais en vrai je la mets sous de l'eau chaude avant pour que ça soit une vraie huile. C'est la fameuse huile de Leonard Grey que j'utilise une fois par semaine en général, ou toutes les deux semaines, ça dépend de l'état de mes cheveux, que je pose sur mes longueurs pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, instant glamour, je ne vous ferai pas la démonstration. Je me mets une Charlotte en plastique sur la tête, oui oui, et je laisse poser tout ça, parce qu'en fait mon crâne génère de la chaleur, et du coup ça permet à l'huile de mieux pénétrer. Et donc après j'ai des cheveux soyeux. Donc ça c'est incontournable pour moi. Et il faut très bien la rincer, et surtout il faut l'utiliser avec parcimonie. Moi j'utilise depuis des mois, et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui descend. Si on en met trop, on surcharge le cheveu. Donc si on a le cheveu trop fin, c'est pas top. Et du coup on se retrouve avec le cheveu poisseux. Si on a le cheveu poisseux après avoir utilisé une huile, c'est qu'on ne sait pas utiliser une huile, tout simplement. Voilà. Et puis après, de temps en temps, quand j'ai envie de, on va dire, rafraîchir mon brushing, parce que de temps en temps je me fais un brushing, et que mes cheveux n'ont pas forcément besoin d'être lavés, mais que, bah voilà, je laisse mes cheveux détachés, ça frotte toute la journée, donc ça peut créer un effet de pointe pas joli, de fourche, hydratant santal de Christophe Robin, la base. Il en faut très très peu, une toute petite noisette que je répartis ensuite sur mes longueurs. Ça sent très bon en plus. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée. Donc voilà, au final très peu de produits pour les cheveux, mais des produits assez, je dirais pas bio parce que c'est pas vrai, mais beaucoup plus naturel que ce que j'utilisais avant. Et ça m'empêche pas, oui, d'avoir quand même un petit sérum Kérastase que j'utilise sur les pointes les jours où c'est pas très beau. Voilà, c'est du silicone, je le sais. Mais vaut mieux l'utiliser en produit de soin pour coiffer, en produit de coiffage, pardon, que en ce produit de soin. Voilà. Pour le maquillage, j'avoue que j'aime tester beaucoup de choses sur mon blog, mais en réalité, je suis assez naturelle comme fille. J'aime pas avoir l'air trop maquillée, et surtout, j'utilise en fait presque tout le temps les mêmes produits. En base, en général, c'est le blanc de Chanel, tout simplement, parce que ça permet de flouter légèrement les petites imperfections et d'illuminer le teint. Et comme moi, j'aime avoir un teint lumineux, j'aime pas les choses mates en termes de maquillage, c'est parfait. Ensuite, en fond de teint, tout dépend de l'état de ma peau, en fait. Si j'ai des boutons, ça arrive, ça va être le teint lissant perfecteur de Shiseido, qui est assez génial. Parce qu'il permet de flouter les imperfections de lui-même. Donc je l'applique au pinceau en général, et tous les petits grains de peau pas jolis, toutes les petites imperfections, pour ne pas dire boutons moches, s'effacent assez facilement. Et en plus, l'embout est assez hygiénique parce qu'on n'a pas accès directement au produit. Voilà.
c'est un bon produit que je rachète depuis sa sortie et que j'utilise en cas de SOS. Et sinon, pour les jours où j'ai une peau plus nette, c'est le teint touché éclat de Saint-Laurent que je consomme à une vitesse folle. J'en parle à peu près 360 jours par an sur mon blog. Donc c'est une maladie, c'est une drogue, ce fond de teint. Mais clairement, je n'ai jamais trouvé un fond de teint aussi incroyable, qui apporte autant de lumière au visage, qui s'étire facilement, qui se travaille facilement, pas besoin d'en mettre des tonnes. Vraiment, la magie, la magie. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, avant que ce produit sorte, je disais à Saint-Laurent, aux gens de Saint-Laurent, mais attendez, moi je me tartine de touche éclat, le stylo touche éclat sur tout le visage. À l'époque j'utilisais en fait un peu de fond de teint, mais beaucoup de touche éclat. Je leur ai dit, mais il faut sortir un produit touche éclat, c'est enfin un teint touche éclat, ce serait génial. En vrai c'était déjà dans le pipe, ils ne pouvaient pas me le dire, et quand c'est sorti c'était la révélation. Et ça combiné au touche éclat justement, ça permet d'illuminer le visage et de zapper plein de phases de contouring ou je ne sais quoi pour créer de la lumière. Ensuite, forcément, bah, quand je dois camoufler certaines choses, j'utilise un anti-cerne ou un anti-imperfection. Je suis assez infidèle en la matière, mais je reviens toujours à certains produits. Par exemple, j'ai toujours le Boeing de Benefit chez moi. Pourtant, c'est une texture assez sèche quand même. Donc pour le contour de l'œil, en général, je le mélange un peu en soin hydratant. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'utilise? Oui, bah forcément, les jours où je veux créer un peu plus de lumière, j'utilise les météorites de Guerlain. Donc ça, c'est le nouveau packaging qu'on voit un peu partout. Et les météorites de Guerlain, en fait, ça a un côté très Madeleine de Proust pour moi parce que c'est ma marraine qui me les a fait découvrir. Je devais avoir 6 ans et elle utilisait ça et pour moi, c'était une femme, c'était une belle femme et elle l'utilisait à des moments importants et elle a une très belle peau, elle fait très jeune, elle est très healthy. Enfin, vraiment, pour moi, ma marraine, c'est la plus belle femme du monde et je la voyais utiliser ça. J'avais pas le droit d'utiliser, donc je sentais, je sniffais le pot de météorite en secret. Donc si elle regarde cette interview, voilà, je suis démasquée. Et depuis, j'ai toujours des météorites chez moi, que je les utilise ou pas par phase, j'en ai besoin. C'est un côté très rassurant. Et le blush, forcément. Donc j'ai un problème, je collectionne les blushs aussi. Je collectionne les bougies et les blushs. Mais pas les chats et pas les amoureux. Donc au moins ça va, c'est assez sain. Et en fait, depuis que j'ai découvert ces blushs, le Dior Blush Cheek Crème de Dior, c'était une édition limitée, je crois, pour l'été dernier. Voilà, je peux plus m'en passer, c'est une drogue, le blush crème. Le blush crème est très bien quand on a la peau sèche, en fait. Parce que ça évite l'effet cakey, pas joli, et puis c'est assez lumineux. Et petite astuce, quand je veux encore plus de glow, parce que vous aurez compris, j'aime les choses éclatantes, et très transparentes et très lumineuses, je mélange un peu de blush avec un peu de blanc de Chanel. Et là, tout de suite, c'est très, 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 très joli. Pour les yeux, vous l'aurez compris, j'ai du mal avec la couleur sur les yeux en général. Donc, ma vraie palette de référence, c'est la Naked Basics d'Urban Decay. J'en suis déjà à ma troisième palette. Voilà, elle est bien entamée. Je n'utilise presque que trois couleurs qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et en fait, le principe, c'est de se maquiller sans avoir l'air d'être maquillée. Donc c'est juste pour unifier la paupière, les petites rougeurs, et puis c'est tout, créer un peu d'illusion d'optique, parce que j'ai l'œil tombant et la paupière tombante, donc faire croire que j'ai une jolie paupière, et c'est tout. Donc ça, c'est. Et puis en voyage, comme je voyage beaucoup, c'est très pratique. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'acheter la dernière palette en date. C'est ce que je porte aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de paillettes, c'est rose. Donc voilà, mon blog est en rose, je trouve ça génial d'avoir des choses roses. Et voilà, et blague à part, ça permet de créer des effets un peu plus soutenus qu'avec la palette basique. Et les fards, ah oui, petite astuce, les fards peuvent aussi s'utiliser mouillés sur cette palette pour un effet plus métallique. Voilà. Et enfin, non pas enfin, parce qu'en fait j'ai deux autres trucs à vous montrer. Côté mascara. En vrai, j'adore le Zerwill de Benefit, qui est ma référence, mais c'est bon, j'en ai parlé 50 000 fois, ils n'ont pas besoin que j'en parle une autre fois.
j'avais plus envie de vous montrer deux découvertes en fait, deux bonnes découvertes de cette fin d'année 2013 et début 2014. La première c'est ça. Bon, c'est blanc, on voit pas grand chose, mais c'est le mascara haute tolérance d'Avène qui fait presque le même effet que le Zeryl, donc voilà, c'est bien et moins cher en plus, qui a une brosse qui s'utilise dans les deux sens pour recourber et apporter du volume, une pigmentation noire très sympa. Et c'est un peu la belle surprise parce que une marque de parapharmacie qui fait du mascara en général, c'est pas très fun. Et là, c'est un vrai effet cosmétique, un vrai effet maquillage. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et enfin, en fait, je l'ai testé ce matin. Je l'ai reçu il y a quelques jours, mais quand je l'ai essayé, je me suis dit, ce truc, c'est de la folie, il faut que j'en parle. Donc vous êtes les premières personnes que je vois aujourd'hui, donc je vous en parle. C'est, donc son nom, je ne connais pas encore, c'est le Sumptuous Infinite. Mascara cils infini, longueur plus volume, d'Estée Lauder. Et c'est vraiment ça. Ça ajoute de la longueur, mais limite trop pour moi qui ai déjà les cils longs. Et du volume, et un côté du pigment noir. Et en fait, on verra peut-être pas la caméra, mais alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a un picot qui est un côté qui est plus long. Voilà, c'est ça qui fait la longueur. Donc Estée Lauder, c'est trop bien. Ce mascara est trop bien. Je sens que je vais en parler sur Babillage. Je vais être trop heureuse. Et dernier truc, que je parle beaucoup quand même, c'est ça, c'est le Gimme Brow de Benefit. En fait, attention, je me dévoile dans cette interview, comme je me teins les cheveux dans une espèce de roue, on va dire, je m'éclaircis les sourcils en vrai chez le coiffeur, pour que ça soit plus ou moins raccord. Sauf que du coup, quand on éclaircit les sourcils, ils ont l'air moins denses à certains endroits. Donc du coup, j'ajoute de la densité après. Enfin, c'est assez... me demandez pas pourquoi, je me sens mieux comme ça. Et donc le Gimme Brow de Benefit, c'est un produit qui est sorti fin 2013, qui permet effectivement de gonfler, on va dire, les sourcils, mais aussi de les teinter un tout petit peu, parce que il y a de la couleur en fait dans le mascara à sourcils. Donc voilà, ça me permet d'avoir cette ligne incroyable. Voilà, c'était mon secret de beauté. Je fais en sorte que mes sourcils soient un peu raccord avec mes cheveux. Voilà. Ah oui, et ça. C'est un dernier truc. Je sais pas si vous connaissez. C'est l'agent Zero Shine de Professional de Benefit. C'est assez rigolo parce que. Hop, on met la poudre. On sort. Non mais je suis devenue expert. Non mais voilà, je suis un agent secret. On mélange comme ça, on tapote, et après on applique sur le visage, sur la zone T. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que je n'ai pas de pores dilatés. Voilà. Non, c'est vraiment très pratique, et puis c'est transparent, et ça permet de flouter sans avoir une base trop plastique, quoi, au préalable. Donc c'est la bonne astuce. Après une longue délibération, j'ai dû choisir mes trois produits préférés pour My Cream. Ça a été très difficile psychologiquement. Et finalement, voilà, le teint touche éclat du Saint-Laurent parce qu'effectivement, j'utilise presque tous les jours. Parce que je peux pas vivre sans lui. Parce que je lui fais des câlins dès que je le vois. Donc voilà, une merveille cosmétique. Ensuite, mon parfum. Parce que c'est ce qui me définit en fait. En fait, je jongle entre deux parfums en général, qui est Parisienne de Saint-Laurent, que j'ai depuis sa sortie, et Petite Splice d'Issey que j'ai découvert quand il est sorti. J'adore les deux, en ce moment je suis plus Splice, mais je pourrais pas partir sur une île déserte sans parfum. Ça me définit, c'est moi, voilà, au moins un loup me croisera pour me manger, il saura que c'est Babillage quoi. Et j'ai choisi le shampoing crème moelle de bambou de Leonor Grey, parce qu'en fait, je peux sortir à la limite démaquillée dans la rue, mais je ne peux pas sortir avec des cheveux sales, pas entretenus, enfin coiffés quoi. Donc du coup, pour moi c'est logique de partir sur mon île déserte avec un shampoing, tout simplement. Beaucoup plus qu'une crème hydratante. Bon, si vous me laissez emporter un savon, c'est pas mal aussi. Mais je pense que je pourrais quand même me laver sur mon île déserte avec un shampoing, ok. Voilà. Ensuite, vu que tu testes pas mal de choses, c'est quoi ta dernière trouvaille beauté? C'est quoi ton dernier coup de cœur beauté? En termes de coup de cœur beauté, j'avoue que je pêche un peu parce que
En fait, en termes de parcours cosmétique, j'ai beaucoup testé de choses pendant des années, des années, des années, des années. C'était de la boulimie et même, voilà, une vraie maladie. Et aujourd'hui, en fait, mon coup de cœur beauté, c'est de revenir à un luxe qui est d'avoir mes essentiels que je vous ai présentés là notamment, de bien connaître ma peau, bien me connaître, connaître mes envies et de savoir sélectionner des choses. Comme par exemple, quand j'achète ça, en vrai, j'ai réfléchi pendant 50 ans, puis ça me correspond, donc je suis très contente. Donc, en fait, mes coups de cœur, c'est tout ce que j'achète en général parce que je sais les choisir. Mais j'avoue être quand même friande d'innovation cosméto, suivre ce qui se fait sur le marché. Et j'en parlais dernièrement sur le babillage, je trouve l'après-shampoing en spray, donc le dry conditioner, assez intéressant. Parce que je suis une friande de shampoing sec quand j'ai pas le temps. Donc je me dis pourquoi pas, si ça donne les cheveux brillants après un shampoing sec, why not. Ensuite, c'est dur. Non mais sérieusement, c'est pas sympa hein, ce que vous me demandez. Non, ensuite, c'est vrai que si je devais garder qu'un produit de maquillage qui est sorti ces dernières années, c'est les encres à lèvres. Je trouve que c'est un produit incroyable qui mêle les pigments, la brillance et la tenue. Donc on n'avait pas ça avant, ça permet d'ouvrir le champ des possibilités. Et après, effectivement, mon préféré, c'est le vernis à lèvres de Saint Laurent. Mais voilà, vous l'aurez remarqué, notamment un tableau de Saint Laurent au-dessus de ma tête, je suis pas très objective, je suis amoureuse de Monsieur Saint Laurent. Donc, tout ce qui sort et qui est estampillé à son nom, je trouve ça incroyable. Ok. Un secret de beauté, mais je crois que tu l'as un petit peu dit dans le côté l'assise mort, etc. Alors, soit ouais. Un secret de beauté, soit un tips de trucs que tu mélanges, une astuce, ça peut être n'importe quoi. En termes de secret de beauté. Ben, je pense que effectivement, je vous ai un peu dévoilé tous mes secrets de beauté. Je n'ai plus de secrets pour vous, c'est assez embêtant d'ailleurs, parce que j'aime bien garder des choses secrètes, ma part de mystère, tout ça. Non, j'ai pas de... Un conseil. J'ai envie de dire que le meilleur secret de beauté que je puisse donner aux gens, c'est d'apprendre à se connaître, c'est vraiment ça, pour avoir confiance en soi. Parce que j'ai beau me coller tout ça sur le visage et les cheveux, je pense que, je vais pas dire que je suis belle, ça peut paraître prétentieux aux yeux des gens, mais je me sens belle. Je me sentirais pas aussi belle si je faisais pas un travail sur moi, si je sais pas, je voyais pas la vie du côté positif. Enfin, je pense que dans la beauté, il y a aussi une histoire d'intellect. C'est un peu snob hein, de dire ça, et élitiste peut-être, mais beaucoup de choses se passent dans la tête. Et voilà, moi j'ai appris à me détacher un peu de ces surpromesses que font les produits et de m'écouter. Et du coup, bah, je me sens bien dans ma peau, donc ça se voit, je raconte des bêtises dans les caméras, tout ça. Et du coup, bah, je suis à l'aise avec mes produits aussi, tout simplement. Top. Voilà, j'aurais pu te dire comme Eva Longoria, je bois 1,5 litre d'eau tous les jours et voilà, c'est ça mon secret de beauté. Si je devais donner 3 conseils beauté à mes lectrices, ce serait assez simple. Ce serait de se nettoyer le visage, le corps aussi, mais en général ça les gens le font. Donc nettoyer, démaquiller, hein, ça va ensemble. De s'hydrater. Parce que parfois je suis surprise de lire que des films parlent d'anti-âge ou de choses assez techniques en termes de produits, alors qu'elles ne font pas la base qui est de s'hydrater. Et si on s'hydrate assez tôt et qu'on continue tout au fil de sa vie, on évitera l'apparition des rides prématurées, tout ce genre de choses. Et enfin, dernier conseil, je pense que ce serait de ne pas utiliser des produits, enfin trop de produits en fait. D'être sûr de ses produits, avoir un fond de teint, un anti-cerne, et pas d'ajouter toute la panoplie dont on parle sur un peu toutes les pubs, tout ça. Enfin, en fait, ouais, c'est ça, c'est de revenir à des choses un peu essentielles et basiques. En soi, voilà, je suis un peu le mauvais exemple parfois parce que là, je vous montre 2 mascaras et je parlais même d'un troisième tout à l'heure. On n'a pas besoin de 3 mascaras dans la vie, quoi. On en a un, c'est très bien, on est heureux et on n'a pas besoin de surconsommer. Super, merci Capucine. Merci à vous et puis à bientôt. À bientôt.